Salut les potos! Salut les potes! Bienvenue sur la chaîne Brother Wrapping avec GG et Dams! D'abord, depuis le temps, bonne année, meilleurs vœux! Bonne année à tous! Et à surtout toutes. La santé! Ouais! Et la vape! Et la vape! Bon, donc la santé quoi! Voilà! Alors, du coup, on va commencer l'année avec une box, un dripper et des jus! Voilà! Alors la box c'est la RSQ, que je pense maintenant le nom vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Hop là. On va la passer du coup en revue. Après il y a ton dripper là, du frérot. Le plus le si. Le plus le si. Ouais. C'est un peu con quand même. Le plus le si. Voilà. Qui est là. Donc dripper BF. Et des jus. Et des jus. Donc merci à Yann. À Yann. Donc de la gamme Ecoms. Donc on a trois jus. Ouais. Trois jus. Donc, le Crazy Corn, le Berry Corn et le Kinky. Le Kinky Corn. Kinky. Voilà. Avec les petits rangements d'accu et tout. La merde. Ouais, petit rangement d'accu. Ouais. Merci. Merci bien pour tout. Merci, ouais, c'est bien gentil. Ça fait plaisir. Ouais. On va passer en gros plan. C'est clair. Sur. On va passer sur la box en quick look, quoi. On va faire dans le même ordre, ouais. Ouais. Voilà. Box, dripper et jus. Les jeux en gros plan et on testera à la fin sur le dripper. Voilà. Il a pas eu peur lui quand il a vu la revue de Hidic? Non, il s'est pas dit. Non, vous avez vu la revue qu'on avait fait, je sais plus. Vaplan, Clopinet. Ah, ça va, j'ai eu confiance. Il s'est dit que c'était vraiment de la merde. À de suite alors. À de suite, les potos. Allez, parti, on commence sur la RSQ. Donc, Parod SIG, collaboration avec Ring Mod. Le packaging, allez, rapide. Hop. Ça, c'est le manuel. Ok, donc explicatif, il y a tout dessus. Manuel d'utilisation, quoi. Une deuxième bottle que j'utilise pas, elle est beaucoup trop dure. Bon, donc s'il y en a qui aiment, qui ont des pouces en titane, ils peuvent le prendre. Moi, non. Hop. Et derrière, le cordon. La box, donc il y a beaucoup qui ont des soucis de peinture, des éclats. Moi j'en ai pas, mais j'utilise tous les jours. Donc là, bon, il y a un accu. Alors il n'y a pas de languette pour accu. Il y en a qui mettent dans le point faible, moi non, parce que vu que vous allez voir c'est sur ressort, que ça sort facile. Là. Donc la bottle, ça c'est une souple dedans. Moi je l'aime bien. Voilà. On peut mettre d'autres bottles, genre Coinmaster, Capi, tout ça. Ça passe. Donc, je remets la cul, donc ça se met facile aussi. Donc, vous voyez l'éclairage, j'ai pas mis à jour le chipset, vous pouvez le mettre à jour pour résoudre un bug, enfin un bug, c'est pas un bug en fait. C'est qu'il garde pas en mémoire les paramètres donc de la couleur. Et en mettant à jour, du coup, ça gardera tous les paramètres en compte, quoi, ça les changera pas, il n'y aura pas besoin de reconfigurer.
Donc après, ben voilà, c'est une box électro, classique, maintenant j'ai envie de dire. C'est pas ça. Je vais y arriver ou... Ok, donc on va faire ce que je sais. Donc là, en appuyant sur le plus et le moins, ça lock. Voilà, en appuyant sur le plus et le fire, vous changez la couleur donc, de la LED. Après, trois clics. Attendez, je crois que vous pouvez changer aussi l'interface. Voilà. Ça change de sens, ok. Ah non, mais du coup c'est sur l'autre. Hop, sur le moins. Voilà, ensuite trois clics. Vous rentrez dans les réglages. Donc vous pouvez locker la res. Ensuite là vous choisissez, donc là c'est en pourcentage, là c'est le nombre de puffs. L'ampérage, les secondes, les pourcentages batterie. Réfléchir le zoom. Hop, après vous rentrez dans le menu, donc contrôle de température. Pas 50 menus. Ça. Excusez-moi. C'est l'électronique, c'est normal. Ouais. Modifier la res, non. Hop. Température, donc là, on revient. Un état comme bon méca. Le bug ou quoi là? Un TI, NI, ah d'accord. Hop, SS. Et le bypass. On revient sur le wattage. Voilà, excusez-moi, c'était un peu laborieux. Dans la caméra, je vois pas bien à travers. Donc voilà. Pour le tour rapide, le pin il est sur ressort, donc c'est nickel, tout passe dessus. Moi j'ai aucun souci avec les drippers. Voilà. Ben, en parlant de dripper, tu vas pouvoir visser celui-là et en parler. Tiens. Voilà, celui-là, je vais te laisser le faire toi après. Ouais, vous voyez, ça passe. Je vais mettre le gorge aussi. Voilà. Donc, res. Hop. Voilà, après qu'est-ce que je peux dire, moi dessus l'autonomie j'en suis content, il y en a qui disent que ça dure pas super longtemps. Moi je la trouve plus que correcte en autonomie, et je la trouve bien meilleure que ma VT que j'avais. Pour moi, pour l'instant, c'est la meilleure électro BF, simple AQ que j'ai eu dans les mains. Le chipset il répond bien, il est nerveux, la gestion d'autonomie je la trouve très bonne. Voilà, après vous la mettez à jour comme ça elle gardera tout en mémoire quand vous changez la queue, et puis voilà, pas plus quoi. Ouais. On va passer maintenant sur le dripper. Voilà, allez, à de suite. Allez, autour du frérot, c'est parti, autour du dripper. Donc le pulsi. Non. Alors, packaging, la petite pochette,
un peu similaire au col, encore une fois. Un petit certificat. Parce que oui, c'est un authentique. Et le petit sachet de fer avec un petit truc en plastique en fait qui sert quand vous coilez à le mettre dessus et appuyer avec au lieu de mettre le pouce. Moi je préfère mettre le pouce. Parce que c'est des clampes dessus, c'est pas des vis. Voilà. La particularité. Donc le plateau. Laisse-le regarder. Hop. Voilà. Alors le plateau, il est en plaque et or. 24 quarts. Bon, GG, il a dit, c'est des clampes. Le ressort bien ferme dessus. Le ressort, il est nerveux bien ferme. le 510, c'est un 510 BF. Il n'y en a pas d'autres fournis. Et en fait, le petit bitonio que vous voyez, les trous du juice sortent face. Si on peut vas-y. Souvenir. Hop, nickel. Voilà, on le voit. Le petit trou qui rejette le juice qui, fait sortir qui est sur le latéral, donc du coup vous pouvez juicer sur une box normale quoi. Moi je suis sur la Suic et ouais, ça suinte pas quoi, ça suinte pas, c'est bien conçu. Donc voilà le plateau. Hop, la cloche, désolé, j'ai du juice sur les doigts de partout là, vu qu'il y a le coton. Voilà l'intérieur, ça fait un peu Zerflon, nid d'abeilles, ils sont réglables ou pas dessus ? Non, voilà. Alors il y a Zerflon, nid d'abeilles qui sont pas réglables. Qui est un point négatif, je dirais, pour moi. Et par contre, comme je disais à GG, un point positif. Voilà, il me faut une box parce que là, je m'en mets plein les doigts. Le point positif, c'est que par exemple en voiture, moi j'enlève la cloche souvent pour ramener les juices. Mais vous remettez la cloche et dès qu'il s'emboîte, mais c'est bon, c'est que les airflows ils sont en face des coils. Il y a un petit système dedans de gravure qui fait que ça s'enclenche tout seul. Au moins, il n'y a pas besoin de se casser la tête à regarder 50 ans la cloche et la mettre bien en face. Ça tombe direct quoi. Voilà. Un point positif pour moi. Parce que, voilà. Après, point négatif, comme j'ai dit, les airflows qui sont pas réglables. Ouais. C'est vrai que bon. Ça dépend des jours. Il y a des jours où t'as envie d'envoyer des gros clouds, il y a des jours où j'ai pas envie. Donc c'est un peu la merde. Ouais. Mais bon, c'est pas les drippers qui nous manquent. Non. Et il est bon, voilà. Il est pas de reste en saveur, il est bon. Il est bon en saveur. Mais voilà, hein, pas plus. Hein. Pas plus à dire de toute façon. Il n'y a rien de. Il casse pas des briques, il est pas non plus. C'est pas le dripper révolutionnaire de l'année. Mais il est cool. J'aime bien. Ouais, puis ce système pour coiler, ça commence à être pas mal, ça, maintenant. Ouais. Les coils, ils tiennent bien. Ouais. Ouais. Et ils sont costauds, les ressorts. Ils vont vraiment bien. Et du coup, hop, vous voyez, moi, je l'ai pas mis sur une BF. Hein. J'ai mis sur la Suric. Avec un petit Clodo Flolo. Sortilège, et vous pouvez jousser. Mais ça suintera pas, comme GG l'a dit. Et ça aussi, j'ai bien aimé quand même. Ouais, au moins, t'as. Parce que moi, je suis toujours avec une chier de vis, de comme vous tous. Hein. des vis de 510 BF, des, pas BF, du coup, je sais plus où c'est lequel va avec lequel. Il faut que je regarde pendant 50 ans. C'est vrai. Hein. Là, au moins, tu changes pas le pin. Hein. Tu changes juste de box et basta. Multipass. Non, c'est bien, il est pas mal. Multipass. Ouais. Après, la gueule, on aime ou on aime pas. Ouais, il essaie, c'est pour ça que je ne casse pas des briques. Je le trouve sympa, voilà. J'aime bien. Il est simple. J'aime bien. Ouais. Et un tarot. Un tarot, j'avais eu avec le code promo, je crois que j'avais eu à 16 euros, je crois. Oui. À vérifier, ouais. Mais j'avais eu à 16 euros, je crois que c'était sur Hotsig. Mais par contre, j'ai mis longtemps à le recevoir. Mais c'est bon. Comme beaucoup de colis d'ailleurs, ces deux derniers mois c'est la merde un peu. Ouais. Avec les fêtes et tout. Ouais. Mais sinon, ouais, 16 euros avec le code promo que j'ai eu sur Vapoplan. Voilà. Bon. Bon, ben, on va passer au juice alors. Ouais, on va conclure un petit peu sur la box, sur le dripper, on va tester les jus. Voilà, on va passer en gros plan large. Voilà. En plan large, excuse-moi. Allez. À de suite, tes potos.
Ils en bois, ceux-là. Cool. Mmh. Toujours les mêmes. Mmh. Donc, allez. Voilà. Bon. On va débriefer. Donc, la RSQ, pour moi, c'est la meilleure box que je me disais tout à l'heure. Electro, ce que j'ai eu dans les mains. Voilà. C'est mon setup favori, ça. Avec le gorge. Oh. Gorge profonde. C'est vraiment mon setup que je kiffe à mort. J'aime trop. On va tester les deux quand même. Pec. Mmh. Hop. Il y a combien là ? 0,30. Alors pour info, on est sur le sortilège de Clodo Flolo. Le poteau. Voilà, ça va bien, quoi. Après, ce petit truc de LED, c'est un petit détail. Moi, j'aime bien tout ce qui est lumière. Donc. Ouais, ça fait gadget. Ouais. J'aime bien. Si vous ne la voulez pas, vous mettez sur off. Mmh. Voilà, la box, moi, je la trouve super belle, en plus. Tenue en main, agréable. Elle est légèrement arrondie derrière. Tu as réduit le tarot ? Enfin, même devant, d'ailleurs. Ouais. Non. Le tarif... Elle bouge en prix, enfin elle bouge en prix, selon les sites, c'est comme d'hab, mais là au moins cher que j'ai vu, donc c'est sur Arsène Valentin, où elle est à 59,90, donc 60 balles. Franchement, 60 balles pour ça, c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Moi je préfère 100 fois ça que la VT, tu te rappelles que j'avais eu là. Elle était bien, mais ça faisait jouer. Enfin, ça... Ouais, ouais, en plus on parle de 60 balles quoi. Ouais. Genre ça va. Hein. Là, vraiment, celle-là... 60 balles, ouais. J'en suis plus que content, quoi. Mmh. Je lâche plus, c'est vrai. J'allais dire, c'est vrai que je te vois tout le temps avec. Mmh. Elle va partout, j'apprends au boulot, voiture, la peinture, elle n'a pas bougé, enfin... voilà. Donc, moi, j'en suis super content, je la conseille à mort. BF Electro, elle est terrible. Ok. Je vais remettre sur mon truc. Ben le dripper maintenant. Ouais. Je le mets. Puis ici, dripper pas cher. Moi, pas cher, authentique. Ouais. C'est un original. BF, pas BF. La vape, elle est agréable dessus. Ouais. Il y a des bonnes saveurs. Système, comme on vous a dit, pour les coils, c'est pas mal, ça change. Au moins, vous n'avez pas besoin de petits tournevis, quoi que ce soit. Ouais, c'est cool ça. Ça, j'aime bien, comme je vous disais. Mmh. Hop, c'est mis. Ouais. C'est pas... Vous faites tous ça, je suis sûr. Vous faites tous pareil. Ouais, hop. Moi, le premier, voilà. J'écris. Et ouais, c'est toujours... On est tous des maniaques sur ça. Claque. Là, ouais, tu mets, hop, tu tournes, hop, c'est emboîté, c'est bon. Et ouais, moi, j'aime bien la vape. Ah, franchement, j'aime bien. Après, il est vraiment aérien. Donc ceux qui n'aiment pas l'aérien, ben laissez tomber direct. Par contre, après, ouais, il est aérien, mais il a des super bonnes saveurs, quoi. J'aime bien. Il est pas mal. Au niveau saveur, il est terrible. Moi, j'aime bien aussi. Il est vraiment top. Ce petit juice, là, de Lolo, je kiffe aussi, alors. Donc, tiens, mon bois. Avec un peu de sauce, fais gaffe. Et moi, du papier. Donc, ouais. Pour un petit truc à 16 boules. Ouais, là, franchement, il fait le taf, il va bien. Hein. Ouais. Puis moi, j'aime bien, joli. Il est sobre, il passe bien. Tu sais, sur quoi, sur ton tube, il passerait bien, j'y pensais. Ouais. Il est un peu noir, brillant comme ça. Ça fait un peu un setup, genre. Ouais. C'est un peu un basé, voilà, une couleur basique qui passe partout. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc, ouais, le dripper, pareil, hein, si vous voulez. Le Pulsi. Pulse. Pulsi. Pulsi. Ouais. Voilà, maintenant ça, on va c'est fait. Tester les jus donc de chez Ecoms, donc envoyé par Yann, on rappelle, merci encore une fois. Ouais. Donc les jus, alors on a le Berry Corn, le Crazy Corn, et le Petit Mont qui va bien, et le Kinky Corn. Par contre, la description, je sais pas si je l'ai. Ça y est, par là-dessus ? Hein ? Dessus la feuille ? Non. Non ? Je crois pas. Ah.
Allez, on se lance sur internet. Ouais, mais attends, je vais regarder. Excusez-moi. Hein. M-Pro. Eh. Mais c'est pas ça? Non. Ah si. Ah si, c'est ça. Si, je suis trop con. T'as raison. Ok, je te laisse bonne. Donc, allez, on va voir. On va tester les jus, voir s'ils sont fidèles à la description. Mmh. Bon, on va commencer par le berry. Hein. Allez. Le petit déjeuner équilibré, un grand bol de céréales accompagné d'un savoureux mélange de baies et de pommes. Le berry. Donc, on va voir ce que ça donne. Crazy. Hop. Tac. Dans le gorge. Ça m'excite à chaque fois. Le mec il s'excite pour rien. C'est cool. Hein. J'ai l'esprit mal placé. Hein, carrément, ouais. Yes. Alors, allez, c'est parti. Ouais. Bon. La pomme direct, j'ai senti. Ouais. Baie de pomme. Ouais, il est bon. Bon. Il est léger. Mm-hmm. Sucré, sucré. Il y a l'edge. Ah, le dernier, parce qu'il me plaît. Ouais. Ah, le dernier, il a l'air pas mal. Et celui-là, donc le berry corn, ouais, il est bon, il sent bien la pomme, mais il est léger. Ouais. Il est pas... Non, il est grave léger. Ouais. C'est pas un truc écœurant. Ah non. Pour moi, il est peut-être un peu trop léger. En goût, je préfère un petit peu plus de goût. C'est vrai. Sinon, après, par rapport à la description... Il est léger, bon, ouais, ouais, il passe, tu vois, ouais. Pépère, il passe. Si vous aimez les trucs légers. Hein. Mais c'est vrai qu'il est... Il sent bien la pomme. Enfin, léger, mais on sent bien la pomme. Tu sens direct la pomme, bah, après, c'est pas non plus... C'est léger. Non, non, mais c'est... Voilà, c'est bien. Il... Moi, j'aime bien. C'est bien équilibré. Ouais, c'est bien équilibré, ouais, je suis d'accord. C'est pas mal. Par rapport à la description... Après, c'est quoi ça, le crazy? Oh, il est vraiment léger, moi j'aime bien. Mmh. Moi j'aime bien les petits trucs légers comme ça. Moi, pas moyen. Ouais? Ouais, moi je suis plus gourmand. Moi, on est un peu opposé niveau jus. Ouais. Je suis plus gourmand, bien gras, mmh. bien gourmand. C'est vrai, hein. Des fois, quand j'ai des trucs dégueu, je me dis, oh putain, c'est dégueu et tout, je me dis, ah celui-là, GG, il va le kiffer. Ouais, ça le peut pas, hein, GG, il le kiffe. Ouais. Et toi, vice versa? C'est nerveux. Céréales bon, après, américaines. Il y a des gueux. Ouais. Céréales américaines. Allez, une dernière. Bonbons fruités et crémeux, sucré à souhait. Le crazy corn. Oh, il passe bien. Il passe bien, il n'y a pas de gueux. Il n'y a pas de goût parasite. Il n'y a pas de goût chimique, mmh. C'est vrai. Il passe bien, moi j'aime bien. On va pas trimer. Ah, tu sais, j'ai des frissons. Un frisson de froid parce qu'on a la fenêtre ouverte. C'est pas un frisson de. C'est le deuxième. Hein. Ouais, Crazy Corn. Il est bon aussi. Hein, ouais. Putain. Ça change ou quoi? Bon, je fais la crème. Dernier, il a l'air trop. Non, il est pas mal. Celui-là, j'aime bien. J'aime mieux que l'autre. Ah. Crazy Corn. Pas mal. Celui-là va pas partout. Là. Il est pas mal, là. Ouais. Il est vraiment pas mal. Mmh. Je sens un petit peu le fruité. Ouais.
Pas plus que ça, mais tu le sens. C'est toujours léger. Après, un bonbon fruité, j'aurais pas dit un bonbon, moi, si j'avais pas lu. Ouais. De toute façon, je sens pas que c'est un bonbon. Non, c'est un bonbon. Celui-là, il est bon. Ça reste toujours comme dans le premier. Ouais. Ça reste léger. Mmh. C'est un goût parasite. Oui, ça, tu peux le vaper toute ta journée, t'es ouais. pas, quoi. Ouais. Ouais, carrément. Une gourmandise. Ouais. Moi, je rajouterais un petit peu de sucre. Ouais. En perso. C'est que j'aime bien rajouter des fois. Un peu de super sucre dedans, là. Mmh. Ouais, tu vas pas mal. Ouais, mais j'aime bien. Mmh. J'aime bien, mais il me tente de goûter le dernier. Le dernier, je vous le redis, des céréales au marshmallow. Ah, déjà, marshmallow, trop bon, quoi. Avec une boule de crème à la vanille. Une invention à la gourmandise. Une invitation à la gourmandise, de quoi ravir vos papilles. Désolé, j'étais en train de lire en même temps la rubrique en bas. Oui, pas mal. Le dernier, merde, ouais. Ouh. Bon, en tout cas, bah, vous avez vu ce soir, hein, pour l'instant, on a que du bon. Hein. Là, je suis content. Ouais. Ouais, franchement, pas mal. J'ai changé le coton. Comme GG, oui, il disait. Ça va éviter le fruité. Ouais, comme GG, il disait, toute la journée, ça passe. Ouais, franchement. C'est pas un jeu écœurant. On va tester celui-là, la log vap. T'as pas une petite pince, frérot, s'il te plaît? Hop. J'ai mon beau. Hop, merci. Pardon, ciseaux. Ah non, c'est bon. Donc là, on teste le log vap coton. Voilà. Son test, j'ai déjà testé. Hein. Alors, celui que je mets dedans, maintenant je l'aime bien celui-là. Il est vraiment pas mal. Capillarité est super bonne dessus et il est hyper neutre. Donc voilà quoi. Ben ouais, voilà quoi. Il est top, moi j'aime bien. Tan, tan, tan. Allez, vite fait, là. Je suis allé chercher mon futur projet. En attendant que j'ai un coton. Futur projet bien avancé, déjà. Bien, ouais, futur projet qui arrive prochainement, ouais. En fait. On fera peut-être une revue. Ouais, voilà. Donc, on vous en dira plus, hein, parce que c'est pas fini. Là, elle est encore en mode prototype. Après, il y aura plusieurs délires, hein. La Brobox. La Brobox. Filament fibre de carbone, etc. etc. Ouais, dis pas plus. Voilà, c'est juste ça. Parce que visuellement, je me suis dit s'ils se disent qu'est-ce que c'est. Voilà. Hop. Toujours d'actu. J'avais envie de vous le dire. Maintenant, le dernier, celui que je vous ai lu. Kinky ouais. Corn. Donc, marshmallow. Le Kinky Corn. Céréales au marshmallow avec une boule de glace, de crème de glace à la vanille, une invitation à gourmandise. T'as mis le juice ? Ouais. Alors ça. Ah bon. Mon préféré, lui. Ah, mais j'en glissais. Beaucoup, là. Ah ouais. Il y a tout ce que j'aime, encore marshmallow, glace vanille. Il est trop bon.
Ouais, vas-y, fais-toi une kiff. Quoi, il est vraiment bon. Ouais. Celui-là. Il va prendre sa fessée. Il est vraiment top. Hop, je croyais que t'allais ranger. Oh, vas-y, fais-toi plaisir. On va voir si on en a encore pour une fois. Alors ça devrait. Ouais, carrément. Oh putain, ça sent bien la vanille. Ouais. Il est trop bon. Celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Ouais, grave, fait, je sens le marshmallow arriver. Mais en premier, j'ai senti la vanille. Ah ouais, franchement, c'est mon préféré aussi. Ouais, il est vraiment terrible. Les trois, c'est mon kiff. Depuis tout à l'heure, il m'appelle celui-là, de toute façon, je le voyais. Il est vraiment bon. Ah, celui-là, le préféré. Ah, du coup, moi, ben, je mettrais l'ordre inverse, en fait. Je mettrais en premier le Kinky. En deuxième, le Crazy. Voilà. En troisième, le Berry. Tout l'inverse de comment vous la présentez. Ouais. Voilà, les amis. On va pas très ouais, plus, il est hein. Très bon. Ouais, non, j'étais à fond dedans, là, j'étais en bonne. Gustativement. T'as régalé. Ouais, c'est très bon. Voilà, et eh ben. Voilà, oh, ben, voilà. Merci que pour les liquides. Ouais. Ils sont vraiment bons. Le Kinky est un gros kiff, celui-là, il est vraiment, vraiment terrible. Merci pour tout. Ouais. Merci de nous suivre. Merci de vous abonner. Merci pour tout. Voilà. Merci d'être là. 2018, d'être comme vous êtes. Ce soir, comme 2017. Pareil, pire, aussi hein. Bien, ouais. Voilà, il n'y a que du bon, hein. Voilà, que ce soit sur YouTube, sur le groupe, franchement, c'est... On vous remercie. On vous remercie, c'est terrible, ça... De la balle. Ouais. Donc, continuez comme ça, et ceux qui sont pas là, ben, rejoignez-nous, ouais. Et vous allez kiffer. Voilà, et je pense que vous allez découvrir Facebook d'une nouvelle manière. Depuis qu'on a créé Brother Vaping, déjà vous aurez plus d'amis Facebook. Genre, vous aurez que de la vape. Tu vois que ça après. Ah, c'est-à-dire que je n'aurai plus rien de mes amis en fait. Ouais. Ouais. Bon voilà, bah, écoutez, bonne soirée, que du bon. Ouais. RSQ nickel, hein, je la kiffe. Mm. Le dripper il est terrible si vous aimez la vape aérienne. Une soirée qui va vous coûter 100 euros quoi. Si ouais. Vous prenez tout. Et la gamme de liquide vraiment très très bonne. Avec un gros coup de cœur, on va dire. Ouais. Gros kiff sur le Kinky. Ouais. Bon voilà, merci encore Yann, merci à tout le monde. On vous fait la bise, prenez soin de vous. Et de la, et famille. De la famille. Oh putain, je voulais que j'arrête. Mais... Et puis on se dit à bientôt. À bientôt, tout ça c'est le tien, je te le laisse. Ah. Je sais pas pourquoi j'ai voulu te le piquer.